Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salzar. On retrouve notre petite équipe, enfin petite qui commence quand même à grandir, hein, mine de rien, ce qui est plutôt cool. Même si bon, il faut qu'on arrive à recruter des personnages pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on faisait de beau? Ah, il y a un bazar qui s'est ouvert à Fleur, on pourrait aller jeter un œil. Ce serait peut-être pas mal. Au niveau des quêtes, on l'est pas. Non, c'est pas lui. Non, on avait pris. C'est pas lui qu'on avait combattu. Il faudrait qu'on trouve où il est. Et il faut qu'on retourne à Fleur pour capturer un fugitif. Donc on va faire ça. Sachant que, ouais, on était en train de fouiller un peu à cette petite zone là, histoire de voir s'il y avait des trucs intéressants. Mais normalement, je pense que ça va être globalement vide, à part peut-être un ou deux loot. Voilà, par exemple. Hop. Des petites fleurs au milieu des champs, c'est parfait. Normalement, on peut se faufiler par là, mais on peut se faufiler par là, parfait. Ça, c'est pas des marchands de chevaux. Alors, ici, on a des gens, mais c'est pas quelqu'un qu'on cherche. Non, ok, il se barre au moment où on arrive. On ne l'aura jamais. Si on a un petit bandit, on va se le faire, ça va nous permettre de gagner un peu d'XP. Alors il y a eu une mise à jour assez intéressante qui rajoute notamment des nouvelles maps pour les combats. Donc ça dépend des environnements où on est, donc c'est pas sûr qu'on en verra tout de suite, mais enfin si remarque celle-là déjà, j'ai pas souvenir qu'on en ait déjà vu une du style. Donc c'est plutôt pas mal. Ouh, intéressant, on a même réussi à trouver des couteaux de lancer. Parfait. Et on a gagné un niveau. On va ramasser un peu ce qui traîne. Et on va aller voir ça. On est level 12 mine de rien, ça commence à être pas mal. Je sais pas du tout s'il y a un niveau max et c'est quoi le niveau max. Allez, on va prendre un chien supplémentaire. Quand on invoque, ce sera pas mal. On va aller jeter un oeil parce qu'on avait une quête. Alors déjà il y a la quête des dryades là qu'on va peut-être être capable de faire maintenant. Et en plus on avait une quête pour trouver un loup là dans la forêt. Et je me demande si c'était pas dans cette zone là peut-être aussi. C'est pas dit, c'est pas dit. Bon, une petite sauvegarde. Donc party of 4. Ça nous coûtera 250 d'activer le truc. On va être tout seul toujours parce que décidément. Alors, on peut récupérer du mana ou de la vie. Bah, on n'a rien, donc on va ignorer. Enfin, on est bien pour tout le monde. De nouveau, on ignore. Alors, on peut diminuer notre vitesse de 150. Non, alors, vu qu'on est tout seul, non, clairement pas. On va ouvrir le coffre. On récupère un peu de jade, hein, parfait. Ah, au niveau 5, on rencontre des dryades. Toi, tu seras gentil de mourir, s'il te plaît. Merci. Hop, on les esquive. On va essayer de caler un petit vol de vie sur elle. Parfait. Ça c'est fait. Alors ici il y a des coffres. Bah, on ouvre un coffre. Encore un peu de jade. Excusez-moi, j'éternue. On a perdu un peu de vie, donc on va prendre la vie. On peut augmenter nos dommages et prendre plus de dommages. Non, on va rester calme sur ces trucs-là. C'est parti, on rencontre de nouveau des dryades. Allez, un petit truc qui vole la vie, parfait. Bon, ça se passe pas trop mal.
On n'a pas encore eu besoin d'invoquer nos trucs. Alors, on est arrivé à la fin. Alors, comment ça se passe? Ici, il y a une sorcière des fleurs. Voyons si le cristal fait son taf. Alors, le cristal, la dryade nous regarde avec un regard confus. Des cornes apparaissent sur la tête de la dryade alors qu'elle nous court vers nous. Ok, donc le sol tremble et on est entouré par des arboréens cette fois. Alors, quelque chose me dit que ça va être un peu plus costaud que la dryade, effectivement. Bon, là, on va se permettre. Il nous a défoncé, j'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ok, donc la dryade géante. Alors, on regarde le cristal sur le sol et on est déçu. Bon, j'imagine que si on avait gagné, ça aurait été mieux, mais au moins, on sait que le cristal, c'était effectivement une arnaque, sans surprise. Sans surprise non plus de fou, hein. Et en fait, je viens de voir que la quête, il faut juste qu'on tue des loups. Tout simplement. Pour la quête. Autour de Myrton. Du coup, faut juste qu'on trouve des loups dans cette zone et ça va le faire. Alors, ce que j'aimerais bien du coup, c'est éventuellement voir s'il y a moyen. Nous, on cherche celui-là, là, mais je crois qu'il était toujours hyper loin. Hein. Ah non, il est à Redstone Keep maintenant. Bah on va peut-être laisser tomber les loups pour l'instant et on va plutôt faire ça. On va remonter à Fleur pour essayer de choper la fugitive et si on peut, on repasse à Redstone Keep. Choper le sultan machin là. Allez, en avant. Est-ce qu'on peut voir avec qui on s'entend bien? Redstone Keep, tiens, on est hostile avec eux, très bien. Fleur, ils nous aiment bien. Eux, on les a emmerdés, donc c'est normal. On est cold, cold. Ouais, il faudrait qu'on essaye de monter à friendly au moins. Avec un personnage, voir si on peut le recruter. Un petit peu de loot ici, on fait un petit détour. Voilà. Alors, ce serait pas des petits loups là? Ah, c'est vrai qu'on avait réussi la quête de elle là. Ouais. On n'a pas eu l'occasion de lui rendre. Allez, oui, ils sont 38. Ça va tabasser. Les mercenaries armorés de Pikmin là, ils sont quand même balèzes. Hein. Bon, par contre les archers ils font pas le niveau, clairement. Téléportation dans le dos et c'est géré. Voilà. Alors, on a trouvé un marteau des arcanes, non, un marteau des arcanes vétérans qui peut stun level 8, c'est pas mal. Et on a trouvé aussi une baguette de boule de feu. Donc c'est pas trop notre trip pour le coup. Mais le marteau des arcanes, il y a peut-être moyen qu'il soit intéressant. On va regarder en speed. Alors, physical attack plus 100 contre 80, range 180, c'est même. Ça donne plus 4 de spirit et du stun. Ouais, mais on va prendre ça. On va bien voir ce que ça vaut. Alors. Alors, vous entendez un bruit étrange et soudain qui arrive à travers le brouillard épais. C'est un bar! Les villes créatures! Crie l'un de nos camarades.
Et on ne peut pas s'empêcher de se sentir, comment, mal, au nom de ces cris, enfin au son de ces cris. Alors on peut écouter leurs cris ou lancer une attaque. Écoutons leurs cris. Alors, vous ordonnez vos compagnons de ne faire aucun bruit. Vous écoutez avec précautionneusement la chanson des Bahars et on sent leur douleur. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous comprenez que ces barres innocents appellent en fait à l'aide. On dirait qu'ils ont envie de vous rejoindre. Alors, vos compagnons, cependant, ne sont pas du tout d'accord et vous demandent avec véhémence de ne pas les employer. On va aller se joindre, je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors, on a des gens qui partent du coup. Qui c'est qui est parti? C'est pas marqué. Bah personne. Ah bah ça devait être peut-être les caractères si j'en avais eu qui seraient partis, mais du coup vu qu'on en avait pas, ils sont pas partis. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? On dirait un espèce de crapaud T-Rex. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie, crapaud T-Rex? Donc t'es 6 déjà. De base, t'as l'air un peu faible, hein. 400 de vie, 70 d'attaque physique, si on prend par exemple un fermier, là. Quoi il ressemble, lui? Ouais, 1800 de vie, 115 d'attaque physique, donc c'est moins fort qu'un fermier. Parfait. D'ailleurs, toi, on va te transformer en crossbowman. Maintenant, qu'est-ce que tu peux devenir? Plein de choses. Un barre de froid, un barre d'or, un barre de pierre, un guerrier barre et un sorcier barre. Très très bien. Il faut quand même réussir à le faire monter au level 10. Ça sent la petite bestiole assez rare qui peut devenir des trucs sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau lui? Il lance une boule de glace. Ok. Lui, il lance une boule de feu. Lui fait exploser la terre, il fait un séisme, très très bien. Ici, il a un coup de pique. Et là, il fait de l'électricité. Ok, donc on a, en gros, on a foudre, feu, terre, froid et physique, quoi. Alors, au niveau 2, lui, il soigne. Ça peut être cool. Lui, il est plus résistant, donc il peut réduire ses dommages. Lui, il apprend rien de plus, il apprend rien de plus, il apprend rien de plus. À mon avis, on va partir sur le soigneur, ça me paraît plutôt une bonne idée dans le concept, on verra ça. Déjà, on va essayer. Bon, il est déjà level 5, donc ça, c'est cool. L'objectif, ça va être de monter le héros et le barre. Alors, il fallait qu'on trouve des fugitifs du côté de Fleur. On va faire une petite sauvegarde. Ah, ils sont là, les fugitifs. Oh, bon, ils ont pas l'air hyper énervés. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Donc, c'est la personne qu'on recherche. Princesse Baleine Sanctio. Il y a des petits problèmes de traduction, mais à chaque fois. La phrase c'est vous avez l'air de princesse Belen, alors que non, c'est vous avez l'air de ce que princesse Belen m'a envoyé chercher. Donc la traduction anglaise est pas tout à fait exacte des fois, faut faire gaffe. Alors, j'ai peut-être des problèmes avec elle, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Non, non, bah c'est bon, allez, c'est. On va arrêter de se fâcher avec des gens. Ah oui, on a notre marteau, c'est vrai. Boum. Elle a l'air plutôt efficace notre marteau. On gagne encore une wooden cuirasse, mais pas verte cette fois. Un peu de bouffe et de la thune, ben c'est parfait. Alors, Princesse Baleine est très satisfaite et elle nous a envoyé la récompense. Et on est passé à 19 avec elle, nickel. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Un sorcier mystérieux, un mage mystérieux, très bien, beaucoup de gens mystérieux. Ok, donc elle nous fait des parchemins. Elle est mystérieuse, elle nous fait des parchemins et du coup. Ok, lui, il veut pas nous parler parce qu'on n'est pas le.
On n'est pas le seigneur des lieux. On peut rien construire parce qu'on n'est pas l'administrateur de la cité. Le marchand, il nous emmerde parce que on n'a pas le permis. Classique. Le trading dépôt, on peut vendre des trucs ou pas? Ah oui, lui, il fallait qu'on trouve son fils, c'est vrai. Normalement, il y a un bazar qui a ouvert. Est-ce qu'on peut le voir? J'ai pas l'impression. Moi, qu'il soit dans un des trucs qu'on connaît pas, hein, c'est possible. Mais nous, il fallait qu'on trouve le mec à combattre. Et s'il repart à l'autre bout du monde, on va essayer de se grouiller un petit peu. Janub, je crois que c'est quelqu'un qui nous aime pas trop. Hein. Ah si, c'est elle, pardon. Est-ce que tu voudrais pas 20 jours à Reston Keep? Ah bah ouais, on prend, ouais. Carrément. Carrément qu'on prend, c'est là qu'on va. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Ouais, elle va pas vite avec son cheval, je sais pas comment ça se fait, mais. On va pas s'en plaindre. Alors ici, est-ce qu'on n'aurait pas éventuellement du coup une petite bataille de siège à faire? Un camp de bandits lourdement armé. Alors. Ils ont deux déserts maraudeurs level 12, des déserts trackers level 12, et des déserts de bandits level 5. Mais ouais, on attaque. Alors, c'est comment déjà la carte? Donc vous allez défendre, vous allez me suivre. Vous allez me suivre. Vous allez me suivre. Vous allez défendre, vous allez défendre, vous allez me suivre. Le bar, il va me suivre et le mercenaire, je sais pas qui t'es, mais tu vas défendre. Et on va aller. Bah. Ouf, ils ont des chameliers, effectivement. Bon, ils chargent dans le tas, donc on va leur dire be my guest et on va charger nous aussi. Boum. Boum. Allez, passons par ici. J'ai été moitié stun là. Bon, ils vont s'en occuper les autres, c'est bon. Ils sont suffisamment nombreux en défense. On va attaquer ce petit camp là. Un peu de heal. Allez, on va prendre le village. Ça va nous faire des ressources. Parti. Tenez-moi cette zone, on les capture. Ok, voilà, ils sont fait défoncer. Ça se passe comment? Ils sont en train de refaire leur groupe ici. Il y a des gens qui sont perdus à droite à gauche. Ok, le village est pris. On va aller s'occuper de l'autre groupe. On peut dézoomer un peu là, non? Dommage, on va se détransformer, je pense, avant d'arriver. Voilà, ils sont bien tous là, on va attendre que nos mecs arrivent. Allez, c'est parti. On balance les attaques de zone, on va lancer une petite résilience, bam. En train de dire j'ai presque plus de vie, mais non, c'était ma jauge d'XP que je regardais. Quand il y a du monde, j'ai du mal à me téléporter. Ah, c'est vrai que je les envoie en l'air quand je saute avec l'ours là. C'est cool ça. Allez, un petit peu de heal. On en profite pour faire un petit one shot des familles. Allez, défoncez-les moi, c'est con là.
Boum, coup critique dans ta tronche. Allez, faut prendre ce... cette zone là. Pourront plus ressusciter là comme ça. C'est parti, la base défensive est prise. Il reste plus que la petite dernière du coup. Te téléporte pas toi. C'est extrêmement désagréable. Allez les gars, en avant. On commence à être un peu juste en vie. Hein. C'est là qu'un soigneur ferait quand même bien plaisir. Ah ici, il y a un leader. Là. Coucou toi. Là, le leader c'est fait. Prononce village. Nickel, tout le monde prend de l'XP. On récupère des pommes, parce que pourquoi pas. On devrait avoir un peu de loot. Oubliez ça. Retraite, retraite. It's Ash, Desert Ash. Ok, très bien. Des cendres, quelles cendres. Ok, ok, on s'enfuit. Très bien, il s'enfuit. Alors, ne pensez pas que c'est terminé, on ne vous laissera pas vous en tirer si facilement. Ouh, oui, on a reçu plein de trucs. Parfait. Alors ici, il y a un déserteur. Alors, ils sont blessés, leurs jambes sont brisées, est-ce que tout va bien? Alors, il essaye d'ouvrir ses yeux pour nous regarder. Alors, vous êtes salement blessé, vous ne pouvez pas bouger. Attendez-moi ici, je vais aller au village de Fleurs. Et voir s'il y a un docteur. Oh, ça m'arrange pas des masses, puisqu'il faut repartir. Alors on doit se presser, très bien, on doit se presser. Alors avant de se presser, on va regarder le loot. Hein. Farmer, non, non, putain, non, cancel. On a dit que c'est des paysans qu'on voulait, nous. Je vais vérifier, j'ai un doute. Toi, viens là. Ouais, c'est ça, c'est des paysans qu'on voudrait. Alors, il faut qu'on trace. On va retourner à Fleur du coup, voir s'ils ont un médecin, on s'occupera de l'XP après. On va juste prendre un petit truc comme ça, en speed. On va s'arrêter à ramasser les fleurs, c'est quand même un minimum. J'ai mis le petit bar qui court avec nous là. J'arrive pas à cliquer, voilà. Allez Fleur. Est-ce que vous avez un docteur? Ah ici ils sont en train de construire un bâtiment là. Bah toi peut-être? Est-ce que tu peux m'aider? Non. Le chef peut-être? Ouais, on va dire oui, ok, d'accord, très bien, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse pour l'instant. Ah, c'est peut-être ça là, faut peut-être que je parle à lui là. Ouais, quest docteur, docteur, parfait. Alors, je peux soigner les blessures, mais je ne peux pas soigner le monde, pas de soucis. Est-ce que vous êtes un docteur? Ok. Bonjour, oncle Kabil. Ah, c'est la petite fille avec qui on a filé la lettre, là. Ah, ma chère Ruzen. Oh, vous êtes l'aventurier qui a aidé mon père à me rendre une lettre. Oui, tout à fait. Tu te souviens de moi? Bien sûr. Bah, c'est marrant, elle parle d'elle à la troisième personne, je sais pas si c'est voulu. Un ami de Ruzen est un de mes amis. Ça doit être important. Il n'y a pas beaucoup de temps. Montrez-moi le chemin. Bien. Du coup, il y va comme ça, parfait. Est-ce que je peux en vite fait m'occuper de ça? Ok, parfait. Eux, peut-être. Est-ce qu'ils veulent combattre? Nickel, ils avaient vu des ifrites. Le dernier, on s'en occupera plus tard. Trace sa route, ce con. On le voit sur la map là devant, donc pas d'inquiétude. Par contre, il y a du rouge, j'espère qu'il va pas se faire intercepter. Bon, ça va. Allez, Kabil,
Allons soigner cette personne inconnue. Je sais pas ce que ça va me donner. Est-ce que c'était un truc scripté parce que j'avais des rusen ou pas, je ne sais pas. Alors, on dirait que la blessure est sérieuse, mais ça ne me dérange pas. Oh bah écoute, parfait. Donc quelques temps plus tard, je lui ai donné des médicaments. Maintenant, c'est à lui de se soigner. Parfait. Ah, pourquoi vous m'avez sauvé? Ça demande beaucoup d'argent pour me soigner. J'étais préparé à mourir ici. C'est suffisant, tout pour l'armure de cendre. Hein. L'armure de cendre. Alors, dans le temps, mes deux frères se sont entretués pour elle. Ok, très bien. Je ne comprends absolument rien à ce que vous dites. Je suis d'accord, le cygne. Ha 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 ha. Je suspecte que vous êtes allié à ces bandits. L'un d'eux me blesse, l'autre vient me secourir. C'est une méthode pour me faire parler de l'armure, très intelligent. Ouais, bah moi je me tire. On m'a menti tant de fois, je suis désolé. Non, c'est rien. Alors, il y a une pierre gris et bleu à Crying Rock. La pierre est enchantée. La charmore est enterrée en dessous. Pourquoi vous n'allez pas la prendre vous-même? Le vieil empire a péri à cause de personnes comme moi. Nous sommes responsables de la guerre. Pour mes propres ambitions et souhaits, je suis entré dans le palais. Pour les trésors et l'or, j'ai tué beaucoup d'hommes. L'armure de cendre est la preuve des péchés de mon père, de mes frères et de moi. Très bien. Est-ce que vous faites partie des nazirs? Je n'appartiens plus à personne désormais. Il essaie de se lever. N'essayez pas de bouger votre jambe. Vous devriez aller chercher votre armure d'abord. L'armure de cendre est un trésor qui appartient à la famille royale et qui est transmis de génération en génération. Utilisez-la bien. Alors, Crying Rock en dessous, la pierre bleue. Alors, Crying Rock, c'est où? Crying Rock, c'est la zone qu'on avait déjà pas mal fouillée en haut. Bon bah écoutez, on ira y faire un tour. On a de nouveau gagné un talent. On va prendre un peu plus de taille de squad. Donc il faut qu'on essaye de trouver. Oh là, il y a un combat là. Alors, il y a un régiment de frères du désert qui est en combat contre des fermiers. Qu'est-ce qu'on fait? On peut choisir d'aider les méchants. Enfin les Desert Brothers ou non, ouais, aider les fermiers bien sûr. Ah, on est du côté des attaquants cette fois. Oh putain, ça va être une belle baston. Ok, je me suis fait défoncer, très bien. On est 64 et ils sont 46. Tiens, bah toi là. Hop là, ça c'est fait. C'est pas mal le petit marteau qui stun mine de rien. Je l'ai raté. Ils sont rapides hein, les chameaux. Hein. Compliqué de les choper. On réinvoque des petits loups, au moins ils tracent. Putain, on est plus que 19 hein. Déconne pas. Hein. Boum. C'est encore 13. 10, on est 15. On va finir lui. Ok, parfait. On devrait pouvoir les finir, je pense. Même s'ils sont quand même plutôt énervés. Allez, on est en groupe là. 6 contre 1, parfait, ils sont nettoyés. Ouh, on a gagné une épée Crimson pourpre. Elle est avec une aura de feu. Alors elle est pas verte, mais ça peut être pas mal.
On a gagné de la thune et on a gagné 2 jades, ce qui nous permettrait éventuellement de recruter des sorciers. Merci pour votre sacrifice désattentionné. Tout à fait, c'était complètement désattentionné. Alors, du coup... 95 de physique à l'attaque. On perd un peu de range. Mais on a une Burning Aura. Bon, on va tester la Burning Aura. Écoutez. On va voir ça. Alors du coup, la quête qu'on avait, c'était tout là-bas. Oula, les Desert Brotherhood, ils sont rouges vifs là. Ils nous aiment pas. Ils nous tracent derrière, du coup. Très très bien. J'ai même pas regardé si on avait des blessés. Ouais, on a des blessés. Hein. On va utiliser quelques White Race potions. Je crois qu'on en a qu'une. Ouais, on en a qu'une. On a souffert. Il est peut-être temps de prendre quelques niveaux. Genre toi, t'es devenu un héros, tu vas devenir warrior. Toi, t'es un initié. Est-ce qu'on peut te faire monter? Oui, on peut te faire devenir un Dark Priest. On va le faire. En plus, ça les soigne normalement. Ouais, ça les soigne. Ça, c'est bon, ça. Vous, vous êtes que deux. Est-ce qu'on peut pas vous faire monter un peu? On pourrait les transformer en assassins. Il faudrait qu'ils montent jusqu'ici pour être niveau pour en retourner à 5, mais eux ils m'ont l'air quand même plutôt efficaces les mecs. Hein. Allez, on va les faire monter un peu de niveau. Et les loups, est-ce qu'on a ce qu'il faut? On pourrait faire un petit alpha. Alors, Need to meet combined 4 max troupes. On a un alpha, alors il est tout seul hein, l'alpha, par contre il est badass, hein. 11 000 PV par rapport au loup là qu'on 5 000. Du coup ils font demi-tour eux, est-ce qu'on peut se les tenter pour voir? Alors, les frères du désert sont très puissants, vous ne l'avez juste pas encore réalisé. Non non, on combat nous, on est pas là pour glander. À l'assaut! Hop, on active les petits sorts, on se soigne un peu. Bam. Bam. Alors je sais pas trop, notre aura de feu, on dirait qu'on met le feu aux gens là, ils ont tous des flammes autour d'eux, c'est plutôt cool. J'aime assez ce concept. Ça commence à se diminuer un peu. On est où? On est mort. Ok. L'ours il a du mal à taper. Hein. Hop. J'ai l'impression que quand on meurt en ours, c'est un petit peu bugged. On garde le concept de l'ours même si on n'est plus vraiment un ours. Là il y a du monde là. On va les nettoyer. Hop. Invoquons quelques loups pour nous aider. Toi tu poursuis notre copine, t'es mort. C'est bon, ils sont plus que 5 et on est encore 20. On va largement les défoncer. On commence à être sur des combats un petit peu plus énervés quand même. Hein. Ça se sent. Il va falloir que je refasse un petit point sur mes consommables aussi. Ouais. De rien, ils prennent un peu cher les mecs. Hein. On pourra déjà les faire remonter de niveau, mais ça nous coûte beaucoup trop cher. C'est eux que j'aimerais bien monter de niveau. On est bientôt level 13. Donc, du coup, regardons l'inventaire. L'inventaire, s'il te plaît. On a du mana, on s'en fout un peu. Alors ça permet de soigner, on va le prendre parce que pourquoi pas. Ça taunte les ennemis. Ça fait tomber les ennemis au sol, c'est pas mal. C'est à peu près tout ce qu'on a. Allez, on avait une quête ici. Je sais plus quoi. Il y avait un truc. Non, il y avait pas un truc. Oh, il est ici notre mec. On va
On n'est pas tout à fait bien remis. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas lui. Nazir Sultan est nu. Ok, je vais vérifier la quête. Ah bah non, mais on l'avait peut-être fait la quête en fait. Ok, je me suis fourvoyé, on l'avait déjà faite en fait, c'est bien ce qui me semblait la dernière fois. C'est juste qu'elle n'était pas encore terminée et que là elle s'est terminée tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a eu le message. Très très bien, alors on va vite fait faire le dernier fermier avant que ça expire. Et après on s'occupera de la lettre, mais surtout on fera ça lors du prochain épisode parce que celui-ci est déjà bien assez long, beaucoup trop long. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.